Match et règle ses comptes avec les Algériens par la presse camerounaise interposée. L'ancien international algérien des années 1980, Rabah Madjé, a raté l'occasion de se taire. Il a fait une déclaration à la presse camerounaise, lui offrant ainsi l'occasion de tirer sur l'équipe nationale algérienne et les supporters des Verts. Sur le titre Madjé recadre ses compatriotes, les journaux camerounais ont certes repris les déclarations de Madjé mais tout en les pimentant par des commentaires acerbes contre les Algériens. Il faut relever qu'à aucun moment, Madjé n'a critiqué le sinistre arbitre du match ou fait allusion à son parti pris. Il a carrément passé sous silence le mauvais arbitrage gambien. La presse camerounaise jubile que Madjé a demandé aux de grandir, alors qu'il aurait pu faire montre de compassion envers une génération de joueurs remarquables et surtout le travail effectué par Djamel Belmadi. Il faut rappeler que Madjé n'avait pas bénéficié du soutien des Algériens quand il avait été limogé par la FAF, alors que ces mêmes Algériens souhaitent voir Belmadi poursuivre sa mission à la tête de l'équipe nationale, malgré l'élimination du Mondial 2020.